Eh bien salut tout le monde, ici Azarat, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à 7 Days to Die, et j'ai décidé de m'y remettre, en tout cas de me relancer dedans. Alors ça va être un peu une redécouverte du jeu, hein, parce que le jeu a vachement changé, il y a eu énormément de mises à jour, il y a un timing pour le craft, l'environnement a changé, une nouvelle carte, plein de nouveaux crafts, plein de nouvelles choses tout simplement. Et voilà, j'avais envie de reprendre ça, ça me manquait un petit peu, et ça manquait aussi à certaines personnes, à certains abonnés, j'ai décidé de me remettre à ce jeu, et de commencer tout simplement une nouvelle partie en solo. Pour l'instant, une partie en solo, bien sûr, il y aura sûrement du multijoueur plus tard. Il y aura sûrement du... Oh, alors... Il y a plein de nouveaux trucs dans les menus, c'est le bordel. Alors, survival, hein, bien sûr, le nom du jeu... Difficulté... Difficulté nomade, hein. On va pas pousser mémé dans les orties. 30 minutes, c'est très bien. Night percentage value. Go, night percentage value. Ok. Ouais, là par contre, ouais, il faudra peut-être commencer à mettre les descriptions, là, parce que ça craint un peu, je sais même pas à quoi ça correspond. Friendly Fire, on s'en fout, je serai tout seul. Zombie Run, on laisse par défaut. Hein, je suis pas suicidaire. Show Player Icon, on s'en fout. Durabilité. Go Block, on sait rien, moi. Je sais pas, je sais pas, il n'y a pas les descriptions, donc... Drop on Death, alors on va mettre le truc par défaut, si je me souviens bien, c'était juste la Tool Belt qui était droppée. Qui restait, je veux dire. Donc attends. Go Drop on Death. Donc du coup là, c'est la Tool Belt qui se drop. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors Go Drop on Quit, on s'en fout. On n'en met pas, hein, ce serait quand même con de tout perdre en quittant le jeu. Player damage given, player damage given. Ouais, recevez, je crois que c'est les pourcentages de dégâts qu'on reçoit ou qu'on donne. Ouais, ça permet de régler un peu la difficulté, c'est cool. Alors, enemy sense memory, alors ouais, d'accord. Ok, c'est tous les mêmes, on va laisser comme ça. Enemy spawn mode, on va laisser en medium. Craft timer, je vais le laisser. Parce que on a possibilité de pas le mettre, mais comme c'est une nouveauté du jeu, je préfère le laisser. Pour être sûr. Cheat mode, on s'en bat les steaks. Private, on s'en fout. Game password, ça je sais pas ce que c'est. On laisse comme ça. Et c'est parti. Voilà. Donc on va reprendre tranquillement. Donc je n'exclus pas le fait que je vais me faire défoncer l'arrêt. Hein, parce que ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Ça fait aussi super longtemps que j'ai pas joué tout court, pour être franc. Donc on va essayer d'y aller tranquillou. Donc je vais refaire quelques épisodes, je pense, en solo. Et voilà. Parce que ça fait quand même vachement longtemps que j'ai pas fait du 7 Day. Parce que j'étais passé par Game Dev Tycoon, par du Fallout. Ah, j'étais passé par pas mal de choses, mais j'avais mis un peu de côté le 7 Days. Je pense que ça fera du bien de reprendre. Et voilà. Ouais, c'est vrai, je discutais avec l'ami Blood Ghost sur Steam. Il me disait, c'est quand que tu refais des vidéos, ça fait quand même pas mal de temps. C'est vrai que ça fait un mois ou deux, je crois. Oh, tout le monde. Bon, bah, désolé pour la petite crise de panique. Hein. Le jeu a crashé. Ouais, fallait s'y attendre, hein. Ça crache. Ah, oh, alors. Alors. Alors, déjà, les zombies apparaissent sur la mini-carte. Les animaux aussi. Ils sont en vert, donc je pense qu'à mon avis, ça doit changer de couleur quand t'es repéré ou un truc dans ce genre. Merde, les touches! Je suis en QWERTY. Oh là là là, l'abruti. Je suis encerclé de zombies, apparemment. Si je fais ça. Ah, nickel, voilà.
J'ai remis mon clavier en QWERTY, pardon. Il fallait le mettre en QWERTY. Il était en AZERTY. Ah. Ah, ah ouais, d'accord. Donc ça change. Ils sont sérieux? Ah! Faut du temps! Faut du temps pour fouiller les... Non! 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 Faut du temps pour fouiller. Ah! Ça, c'est le biome que j'avais visité qu'une fois. C'est un nouveau biome. Un biome neige. Il y a beaucoup de zombies. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que dans les versions précédentes. Là, franchement, niveau zombies, ils ont mis le paquet. Et on n'est plus obligé de sauter, là. Ça fait plus vraiment des blocs, ça fait des petites pentes. Et franchement, c'est nickel. Ils ont super bien foutu ça, quoi. Ouais. Par contre, là, ça pue du cul. Je vais essayer de choper un peu de bois, hein. Ouais. Ça me paraît bien, là. Essayons de choper un peu de bois. Est-ce que ça marche? J'ai l'impression que ça a plus de mal aussi pour le bois. Je sais pas trop comment je vais faire. Ici, ça a l'air assez calme. Il n'y a pas trop de zombies. J'en ai entendu un, mais... Ok, il y en a là-bas. Bon, moi, j'aimerais bien pouvoir creuser le sol. Ah, putain, oui, d'accord. Ouais. J'ai été fatigué, donc... Quoi? Où? Qui? Où ça? Oh putain, et c'est une horreur, j'arrive même pas à... J'arrive même pas à péter un putain d'arbre. Je vais attendre un peu. Il y a encore des bruits chelous autour de moi. Je sens que cette nouvelle version va me faire encore plus... stressé. Oh bah d'accord. Bah oui. Oui, alors tous les objets se récupèrent en maintenant E. Ça, je le savais. Oui, alors d'accord, le mec... Boum! Coup de poing dans l'arbre, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Non. Et si je recommence? Allez! Quand tu veux. Ah voilà. Au moins, j'ai l'impression que déjà, quand un arbre tombe, on crève pas comme une merde en dessous. Déjà ça, c'est un point positif. Je vais me faire un petit... Oh mon dieu. Non. Mon dieu. Ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Non. Bon. On va essayer de faire ça vite. Hein. Oh là là. Ah, ça va un peu plus vite là, d'accord. C'est vraiment la transformation de la matière première brute qui est plus longue en fait. Ok, ok. Bon, je pense que ça sera suffisant. J'espère que je peux me faire attaquer. Ensuite, comme ça. Allez. Il faut juste quelques baguettes pour me faire un club. Ok, je pense que ce sera suffisant. Alors, si je me souviens bien, c'est comme ça. Ouais, il est déjà là. Craft, 3 secondes. Eh, si les... Eh, non, mais le... le temps pour crafter, mais ça, c'est un truc qui va... Qui va tout changer, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui change tout, hein. Bon, il y a des zombards un peu partout, là. J'aime pas trop ça. Alors, la map. Voyons voir la map. I'm the map. Ok, alors, ouais. Bon, ce que je pourrais faire, c'est redescendre. Continuer vers le sud. Parce que là, en fait, il est quelle heure? Il est midi 30.
Ouais, je vais continuer vers le sud, donc c'est-à-dire par là. Oh là là, abruti. Je vais continuer par là et essayer de rejoindre la ville. Tout simplement. Je pense que c'est le meilleur endroit pour commencer, hein. Par contre, à mon avis, vu comment il y a. Vu le nombre de zombies qu'il y a en extérieur de ville, j'imagine même pas l'intérieur. Ça va être une horreur. J'essaie de me faire celui-là, tu vois. Ah merde, ils sont plusieurs. Ils sont trop nombreux là. Mais t'es trop moche toi! Ah ils sont laids! Ah ils sont laids! Ah ils sont laids! Ah t'es moche! Ah t'es moche! Mais tu as crevé ou quoi? Wouah, mon dieu! Mais putain, elle est trop fou! Oh putain, ils sont horribles! Ah! Retraite. Non, sérieux, le jeu est devenu trop dur, c'est un truc de ouf. Sans déconner, il est devenu trop dur. Eh, je crois que je vais changer quelques options hein, pour le prochain épisode, parce que là, non, je pourrais pas jouer comme ça. C'est pas possible. Il y en a partout! Non mais rien que... Il suffit de regarder la mini-carte. Il y en a partout. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là! Qu'est-ce que t'as, toi? Le problème, c'est que... Voilà, ils se tournent vers moi. Quand ils sont en jaune, ils se doutent de quelque chose, en fait. Et quand ils sont rouges, c'est qu'ils m'ont vu, quoi. Et le truc, c'est que... Putain, hein. Ou alors, en fait, il y a toujours eu autant de zombies, sauf qu'avec la mini-carte, on s'en rend compte peut-être un peu plus. Après, c'est peut-être moi qui... Ouais, je me dirige vers la mauvaise direction depuis tout à l'heure. Ça commence bien. Direction de l'ouest, on va couper à travers champ. Allons-y. De toute façon, je vais crever, je le sais. Je vais crever comme une merde. J'ai un vieux... Une vieille boîte de chili, là. Même plus de flotte, j'ai rien du tout. C'est ça. Des blueberries. Ah, chouette. Oups, 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 oups. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, les pécores. Ils m'ont pas vu. J'essaie de passer entre les deux, là. Doucement. Ah, merde, ils m'ont vu. Oh, là, c'est... Il y a un petit bâtiment là. Qu'est-ce que c'est? Une bâtisse. Une petite bâtisse. Ok, c'est plein à craquer. C'est quoi? C'est une tente? On dirait une tente. Oh putain! Oh putain! Wow, 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 wow! Et là, et non! Non, 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 je suis pas d'accord. Il y a quand même beaucoup plus que... Il y a quand même beaucoup plus de zombies que d'habitude, là. Franchement. Attends, je vais essayer de les attirer et aller en scred à l'intérieur. Go, 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 go. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Je prends le lit, je prends le lit et je me casse. What? Ok. Ça, c'est fait. J'ai un plumard. C'est déjà ça. Je vais pas aller loin avec un plumard, mais bon. Je suis où, là, par rapport à la ville? Ok, je suis encore loin. Va falloir que je monte vers le nord-ouest. Pleine diagonale. Je pense que ça ira. Ok, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis crevé. Ça fait chier. Alors. Allons-y, allons-y. Ah. On parle sur Steam, mais là, je ne peux pas répondre. Ok, on arrive en ville. Et je trouve vraiment sympa le relief des paysages, comment ils ont fait ça. C'est, autant ça arrondit sur les arêtes. Oh, ça frise un peu, là. Autant quand c'est sur du plat, ça fait plus de boss ni rien, c'est vraiment plat, quoi. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, j'imagine que toutes les maisons sont pleines à craquer de zombies. Hein. Ça, faut s'en douter. Alors. Alors.
Faudrait que je trouve un endroit calme. Un endroit tranquille, cette maison là. Oh putain, je les avais oubliés ceux-là, sérieux. Mais... Ah, ils sont un peu moins solides en tout cas. Il y en a encore un. Chiotte. Regardez la mini-carte. Regardez la mini-carte. Regardez la mini-carte. Regardez. C'est quoi ce délire? Non, sérieusement, regarde. C'est fucking blindé. C'est une horde. Non, sérieux, quoi. C'est pas possible. Y'a un grenier là-dedans. Non, je veux pas... Putain, je veux passer, moi. Oh, putain. Je veux juste rentrer, s'il vous plaît. Il y a une barricade, mais... Ok. Ok. Ok, ok. J'aime pas les caves. J'y vais peu. Non, non, j'aime pas les caves. Pas de zombies ici. Hop. Qu'est-ce que c'est, ça? Non. Faut que je trouve un truc... Je prends un truc pour boucher, putain. Du bois. J'ai du bois, j'ai du bois. Je peux pas. Comment ça, je peux pas? Voilà. Non, sérieux, ça craint. Hein. Des balles. Un flingue. Le souci, c'est que si je me sers du flingue... Déjà, je vais manger un coup, voilà. Je vais poser le lit. Le souci, c'est que si je me sers du flingue, je suis sûr que sur la mini-carte, ça va être blindé de zombies. Je vais essayer, voir. Juste pour le fun, juste pour le délire, je vais essayer. Je vais tirer un coup de feu. Ah, non, d'accord, il y a un petit cercle, en fait, autour du personnage. Et ça attire les zombies, à partir de ce cercle-là, d'accord. Ouais, c'est bien foutu, ça va. Du... Ouais, une fenêtre, enfin, du verre. Quoique, le verre, ça va peut-être m'être utile, je vais... Oh non, c'est une horreur. Alors ça, c'est un peu plus long. Hop, y'a rien dedans, ok. Ils sont où, là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils essaient de rentrer, je crois. Ouais, d'accord, ils sont devant, ils sont dehors. Ok. Là, le souci, c'est que je ferais bien un trou pour avoir de la lumière. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ça c'est de la terre. Ils sont en train de tout casser. Hein. Ils sont en train de tout péter, les salauds. Non, sérieux, quoi. Il y en a un qui tape ici, j'en suis sûr et certain qu'il y en a un qui tape ici. C'est pas possible. Désolé, je suis occupé. C'est pas possible. Allez, casse. Casse-toi. Allez, casse. 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 Je vais y arriver. Putain, ils sont en train de tout péter. C'est encore plus stressant que les versions d'avant, sans déconner. Là, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et les zombies, ils sont trois fois plus nombreux, puis... Ils sont moins cons, surtout. C'est ça, le truc.
Le truc c'est qu'ils sont moins cons. Oh putain, la nuit arrive, ça va être une horreur. Ok. Putain. Je sens que ça va être encore un vieux coup de flip. Ah, y a pas de lumière, j'ai rien pour faire des torches. Non, j'ai rien du tout pour faire des torches. Mon dieu. Mon dieu. Bon. On va manger les petites baies. Les petites baies. Hein, ça sera fait. On voit plus rien. On voit plus rien. C'est un truc de ouf, on voit plus rien. Regarde-les, regarde-les. Foutez le camp. Aïe, 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 aïe. J'ai pas de quoi faire de la lumière, c'est ça qui m'énerve. Ça fait chier. Je sais même plus comment on fait de toute façon. Tant qu'à faire. Une torche, ouais, si, c'est des baguettes et du tissu, je crois. Ça va ressembler à ça, oui. Ah là là. On commence à voir un peu, ou alors c'est mes yeux qui s'habituent à l'obscurité. De toute façon, même pour sortir, je sais pas comment je vais faire. Hein. Parce que tout simplement, va falloir que je passe par là, puis me taper tous les zombies, quoi. Enfin, je pense, hein. Ok, ça, je peux faire de la stone, ouais. Ah, ça s'est calmé. Ils m'ont oublié, je crois. Small rock. Je vais faire des petits cailloux, je crois que ça les attire. Enfin, j'espère. On va essayer, tiens, de lancer un petit caillou, voir si ça fait du bruit. Les petits cailloux! Alors. Ça fait quelque chose? Non? Ah si, il est en train de repéter un plomb, là. Oh mais non, mais je voulais le tirer dehors, putain, casser les couilles. La maison, ça va être une ruine, hein, sans déconner. Aïe. J'ai jamais commencé aussi mal une partie, je crois. C'est jamais arrivé, hein. Je peux pas dormir pour passer le jour. Ce serait bien. Parce que là, il est que 11h et puis là, là c'est la merde. Hein. Regarde-le. Ah mais non, mais pourquoi ça... C'est pas là que je veux tirer. Aïe. Et si je pétais le bloc? Non. Non. Quoi? J'entends des trucs qui se pètent de partout. Hein. Ils sont en train de tout péter. La maison, elle va s'écrouler si ça continue. Aïe. Des grands malades. Bah, je crois que ça... Les petits cailloux, ça... Ça change pas grand-chose, je crois. Je le ramasse, hein, attends. Bon. Ouais, bah ça va être très long, hein. Je crois qu'on passera pas la nuit maintenant. Je ne crois pas, hein.
Je ne crois pas. Allez. Donc je pense que ce sera... Je vais refaire une paire d'épisodes comme ça, mais par saison... Enfin, une nouvelle saison, quoi, en gros. Là, ça sera la saison 3, du coup. Vu qu'il y a eu beaucoup de mises à jour, etc. Et puis que ma sauvegarde est complètement obsolète. Ça sert plus à grand chose, quoi. Donc je vais carrément reprendre de zéro. Hey, oh! Doucement, là! Donc je vais carrément reprendre de zéro. Ah, ils ont cassé, là! Ils ont... Ils ont cassé, là! Ils cassent le plancher, les salopards! Foutez-moi le camp! Pilote qui danse, là-bas, là. C'est pas fini, lui. Oh, je lui aurais bien mis une balle, là, mais je ne peux pas. Voilà. I can't... put a bullet on her head. Ah, ils sont en train de tout péter, quoi. Il pète là aussi. Et c'est bizarre ce bloc là. Ah si, il a endommagé ce bloc là. Un peu. Mais ils ont surtout pété celui-là en fait. Ouais. Alors, à mon avis, s'ils pètent celui-là, ils vont se prendre la terre sur la gueule là. Enfin, je sais pas si ça fera grand chose, mais bon. Le fait est là. Ils vont se prendre la terre sur la gueule. Ah. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, pour maintenant, pour le moment. Hein. Là, ça craint. Là, c'est la merde, hein. Ok, d'accord. Une fois qu'ils sont ouverts une fois, ça ne prend plus de temps, en fait. On peut les ouvrir. D'accord. Par contre, ce qui est problématique, c'est pour les crafts. À mon avis, le timer des crafts, je vais l'enlever parce que j'ai pas l'habitude. Je vais... Ça va pas avancer, ça va... Quand t'as plusieurs et tout, quand t'es avec toute une équipe sur une map et tout, on peut se permettre de laisser le timer, parce que c'est comme ça, ça fait des tâches attribuées à certaines personnes, etc. C'est un peu mieux. Mais pour une partie solo comme ça en vidéo, je pense que je vais l'enlever parce que ça va casser un peu le rythme habituel. Donc pour moi en équipe oui, mais en solo le timer je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que... Voilà. Bon il est 2h30. Hein. Mon dieu! De toute façon on va se séparer ici. Et on se retrouvera plus tard. Bon là c'est une vidéo reprise, je vais y aller tranquillement. Hein, donc... Oh, c'est dégueulasse les bruits qu'ils font, putain. Et je vous dis à la prochaine. Si ça t'a plu, tu mets un pouce vert, tu partages et tu me lâches un petit commentaire. Hein, donc, tant qu'à faire. Si ça t'a pas plu, bah, n'hésite pas à me le dire aussi. Si j'ai fait une erreur particulière que je peux corriger, hein, comme d'habitude, les critiques, toutes les critiques sont bonnes à prendre, comme on dit. Et voilà, donc j'espère que ça t'a plu. On se dit à la prochaine pour l'épisode 2, donc d'une nouvelle saison, la saison 3. En espérant que ça commence... Enfin, ça continue un peu mieux que le commencement. Parce que là, ça pue du cul, voilà. Donc allez, à la prochaine. Et j'arrive. Donc voilà, à la prochaine. Allez, ciao!